Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de ce test sur Gear of War 2 et continuons où ce qu'on était rendu. Et voilà, reprend. Bon, y'a souci là, je vais pas me faire buter là comme une merde. Voilà, je vous attends mes fumiers. Déchirant les potes, rien d'autre à dire, c'est déchirant. Et voilà, on va se cacher là, parce que là on va mourir. Voilà, la charge rapide. Allez mes fumiers, j'aurais aimé n'entronçonner un dans votre tronche, voir comment c'est violent. Voilà, on fait attention là. Voilà. Assez déchirant, je vais attendre qu'il en reste juste un pour aller le tronçonner. Voilà, on va y aller là. C'est mon connard. Merde! Allez! Allez! Passe à fumier! Assez violent! Assez déchirant! On fait attention pour pas se faire buter encore là! Youhou! Allez, cache-toi! Cache-toi, Marcus! On va mourir! Allez, Dom! Merci, Dom! Et voilà! On va aller se cacher là! Là, il y en a en haut ici là, les saletés de connard! On va se cacher! Bon! Là, là, mes fumiers! Commence à me gonfler! Montrez vos gueules de merde. Et voilà, un d'éliminé. Là, il y en a un sûrement caché là, là. Et non, c'est encore à la même putain de place, ce salaud. Passe à connard. Voilà, avec l'œil. Et donc, voilà, encore des saletés de connard. Ça, mes connards, va vous en foutre, moi. Des rejetons. Les humains. Et voilà, les humains vont vous buter, mes connards. Je vais aller trancher. Ah, j'ai pas pu le trancher. J'arrête et retourne dans ton trou de merde, connard. Voilà, je suis en train de me faire mouriner là. Attention, ça fait de connard. Allez putain, je vais encore mourir là. Oh putain, par chance que mes coéquipiers sont là pour m'aider. Sinon, oh, ça y est, j'ai plus de balles de merde. Je vais prendre mon petit flingue et voilà, c'est la fête. C'est la fête. Voilà, passe à connard. Oh putain. Ça y est, encore une fois, allez! Merci, Dom! Voilà. Ça va ta gueule, sale larve de merde! Allez, comme vous pouvez voir, ça manque pas d'action, hein! C'est déchirant! C'est plein qu'il y en a qui n'ont pas la Xbox! Parce que si vous avez, si vous auriez la Xbox, ce jeu serait à prendre! Et vous verrez que ce jeu déchire! Et voilà, ils sont tous éliminés, on va retourner dans notre grosse machine! Voilà. Allez putain. On va retourner sur la sulfateuse. Et voilà. Allez putain. Ça bombarde encore, ces saletés de merde. Et voilà, regardez ce petit arbre. On l'a cassé. Et oui, on va tout casser les putains d'arbres sur notre chemin. Désolé, les écureuils et les oiseaux. Va falloir que vous refaisiez votre nid, voilà. Putain, de téléphone. On va le prendre, hein. Ça va pas long, les potes. Allô. Tu peux-tu me rappeler, je suis en plein test, là. Okay, voilà, c'est mon frère qui travaille dans un pawn shop où il y a beaucoup de jeux. Et oui. Bon. Ok, là on est rendu là. Ça y est. Et voilà. Le sol s'effondre. Allez putain. Ça y est. Il y a plein de connards. Youhou. Ici c'est le jackpot pour sulfater des connards. Et voilà. Oh merde. Vous avez vu. Un gros biche qui est assez déchirant. On va démolir sa sale gueule de merde. Youhou. Allez putain, le canon de merde. Passe dans ta gueule, fumier. Ah oui, je veux pas vous spoiler, mais vers la fin du jeu, on va embarquer sur
sur une de ces grosses créatures, déchirant, et ça va chier. Je vous en dis pas plus, là, déjà, j'en ai trop dit. Voilà, là, ils ont pris l'autre véhicule de mon équipe. Et là, il va falloir les buter. Et voilà, assez déchirant, les potes. Déchirant, je sais, je me répète, mais c'est un clair mot que je peux dire pour ce jeu. Déchirant, et voilà, prends ça, mon connard. Je vais te sulfater ta petite gueule d'avorton. Allez, putain, des sulfateuses de merde. Il y en a d'autres qui est embarqué. Et ouais, il va falloir aussi péter la fenêtre du véhicule. Parce que il y a une larve dedans. Et on va arriver à un embranchement où ce qu'il y a un putain de pont. Et si je l'élimine pas, on va mourir. Allez, putain. Voilà, on va refroidir notre canon avec le RB. Très important. Hein. Allez, putain. Saleté de canard de merde. Vous voyez, il n'y a qui embarque dans notre véhicule. Mon équipe va s'en occuper. Moi, je vais m'occuper des ennemis sur l'autre putain de véhicule. Voilà. Ça va ta gueule. Bon. Là, il va y avoir l'embranchement du pont dans pas long. Et non, pas encore. On va contourner. Oh putain, il y a des connards. Passe à fumier. Allez, putain. Falloir qu'on se rapproche, et voilà, on se rapproche, on va sulfater ces fumiers. Allez, bordel. Ouais, déchirant ce jeu, déchirant, déchirant les potes. L'action à souhait, comme je dis, une bande son déchirant, un gameplay déchirant. Oh putain, vite, faut que je démolisse le connard dans la vitre. Ah putain, un mec dans la sulfateuse. Faut que je démolisse ce connard, sinon on passera pas deux sur le pont d'Avignon. Allez. Et voilà, j'ai éliminé ce corps. Et voilà. Salut, enfoiré. Je passe sur le pont et toi, tu vas t'éclater comme une merde dans le ravin. Et voilà. Si j'arrête pas éliminer ce trou du cul, on a crevé comme une merde. Et voilà, point de ravitaillement. Bien reçu, je vais calculer les coordonnées de lancement. Terminé. Ouais, déchirant ce jeu. J'ai hâte d'essayer la coop avec un pote ou mon frère, parce que oui, mon frère a ce jeu également. On va se le refaire à deux au plusieurs, et voilà, un connard. Passe à ta gueule, fumier. Prends ça, connard. Et voilà, il essaye de briser mon véhicule. Voilà, il a pris une de ses douilles dans la gueule. Voilà, un autre connard là-bas, là. On va se le fêter. Je passe l'autre fumier à côté de moi. Il est mort, et oui. Voilà, on va se le fêter. Passe à fumier. Et voilà. Oh connard. Allez, refroidis putain de sulfateuse. Et voilà, t'aimes ça, hein? T'aimes ça, mon salaud. Et voilà, il est mort, ce gros connard. Et voilà. Bon, il y a d'autres connards, on va les buter, là. Ouais, déchirant, les potes. Déchirant, ça tombe comme des mouches. Les bordels. Défaut de la sulfateuse. Ah, toi, tu veux monter, connard? Tu monteras pas. Il y a sûrement d'autres fumiers qui vont essayer de monter. Oh putain! Un autre connard! Et voilà! Je te sulfate dans ta gueule de merde! Allez, putain, sulfateuse de merde! On va se retourner. Et voilà. Yeah, oh putain! Grosse araignée de merde! Wouhouhou! Et voilà, retourne dans le sol, toi, connard! Et voilà. Y, un autre putain de grosse araignée. On va essayer de la sulfater d'en haut là. Allez, bordel. Voilà, et non, il est parti avec un de mes vaisseaux. Voilà, voyez, ça bombarde encore ici. Un autre connard, ça va fumer. Allez, bon, et voilà, regardez sa tronche de merde.
pas ça dans les couilles, connard. Écoutez-moi cette musique déchirante. Un jeu déchirant, de l'action déchirant. Tout est déchirant dans ce jeu, les potes. Bon. Le fer de lance. Le barrage routier. Voilà, petit barrage, hein, ça n'a pas été trop lent. Ça, c'est des saletés de vermine qui éclatent. Boum! Comme vous pouvez voir. Là, on est rendu dans un petit village. Voilà. Un nouveau qu'on n'a pas dans Guerre 1. Et voilà, il est tatoué dans le visage. Hey Marcus, c'est taille. Je t'avais dit que c'était un dur à cuire. Et oui, c'est tout un dur à cuire. Et voilà. Un perso assez déchirant, encore une fois. Vous avez remarqué que les armures des Gears sont déchirants également. Venu à nouveau, hein, Marcus. Voilà. On dirait, oui. Content de te revoir, Taille. Content de te revoir, Taille. Ah, c'est la vie, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà. Ouais, ça va être la fin du test de Gears of War 2 sur Xbox 360, un jeu édité par Microsoft, développé par Equipe Games. Sa sortie le 7 novembre 2008. Je vous remercie à tous et je vous laisse sur ces images et à la prochaine. Bien reçu, contrôle. Delta terminé. T'as entendu ça, Lizzy? On t'escorte là-bas. C'est quoi ces trucs? Je dis que... l'Auguste conserve comme des mines. Les gars, faut me dégager le passage pour que mes types puissent passer. Les tickers ont des sales tronches et Betty, elle les aime pas. De Jacinto était constant sous contrôle Locuste. On aurait dû lancer cet assaut il y a des lustres. Je suis sûr que la CGU avait ses raisons. Et c'était sûrement pas les bonnes. Vous avez entendu? Feu à volonté!